BookTube, c'est Jess et bienvenue dans cette nouvelle vidéo BookTalk où je vais vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. À vrai dire, c'est un tome 2 et je l'ai même préféré au tome 1. Voilà, je l'ai trouvé beaucoup plus pesant au niveau de l'intrigue, avec un final qui nous laisse sur un cliffhanger de la mort qui tue, si je puis me permettre cette expression. Et il s'agit de The Winner's Crime de Marie Rutofsky. Donc The Winner's Crime, c'est le tome 2 de la série The Winner's Curse, publié en français aux éditions Lumen. Donc vous retrouverez le tome 1 sous le nom The Curse et ce tome 2 se retrouvera sous le nom The Crime. Pour cette vidéo, je tiens quand même à le préciser parce que je ne veux pas prendre personne par surprise, je m'adresse vraiment aux gens qui ont lu le tome 1 parce que je vais vous faire un résumé de l'histoire et forcément ce résumé englobe les événements du tome 1, donc je ne vais pas spoiler ou quoi que ce soit ce qui se passe dans le tome 2. Pour regarder cette chronique et pour ne pas être spoilé, il vaut mieux quand même avoir lu le tome 1, sinon ben, vous revenez plus tard quand ce sera fait. Vous avez également la chronique du tome 1 qui se trouve sur ma chaîne, je vous la mettrai en petite i, je pense que ça doit être par là ou par là, je sais jamais où je dois pointer mon doigt, enfin bref. Donc vous pouvez toujours aller voir la chronique du tome 1 pour voir si vous êtes intéressé par cette saga ou pas. Alors, pour résumer un petit peu la situation, donc je vais reprendre un petit peu le fil de l'histoire, on va suivre ici un monde dans lequel on a une nation qui s'appelle Valoria, qui est une nation assez conquérante, une nation qui a soif de pouvoir, qui veut tout le temps étendre son territoire et absorber les territoires voisins. Une nation qui a pour but de rendre esclaves les peuples dont ils volent le territoire, donc ils volent les maisons, ils volent les biens et les habitants deviennent leurs esclaves. C'est ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années à Eran, où le peuple Erani a donc été rendu esclave par le peuple de Valoria, donc les Valorianes. Et on retrouve dans cette histoire Kestrel, donc, qui est la fille du général Trajan, qui est l'un des plus hauts gradés dans l'armée et qui est un ami de l'empereur de Valoria. Et donc Kestrel, je pense qu'elle a 16 ou 17 ans et elle arrive à un cap dans sa vie où elle doit faire un choix puisque à un certain âge, tous les jeunes de Valoria doivent choisir entre soit se marier ou alors s'engager dans l'armée. Or, Kestrel, elle n'a pas envie de se marier et elle n'a pas non plus envie d'être dans l'armée parce que c'est pas une jeune femme qui est très douée avec les armes. Elle sait se défendre, mais elle a beaucoup de lacunes. Elle préfère jouer de la musique. Or, il faut savoir que tout ce qui est art n'est pas très valorisé par les Valorianes, tout simplement parce que c'est une culture qui est propre aux Erani, d'être plutôt artiste, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui est très valorisé à Valoria, et c'est quelque chose qui est en conflit en fait avec son père. Bon, il la laisse faire, il la laisse écouter de la musique, jouer du piano, etc. Mais on va pas dire qu'il apprécie, ça. Et une fois, alors qu'elle se balade avec son amie Jessica, Kestrel va acheter un esclave qui donc s'appelle Erin. Et elle sait pas trop pourquoi elle va l'acheter. Ça se fait un petit peu sur un coup de tête, mais il va se passer quelque chose entre elle et Erin, c'est-à-dire que leur relation va être d'abord ça va être sur le je t'aime moi non plus, c'est-à-dire qu'Erin est très sur la défensive, très distant, qu'il n'est pas très agréable avec elle non plus. Et puis, petit à petit, il va commencer à lui faire confiance, ils vont parler, elle va lui donner des informations qu'elle ne devrait pas lui donner, puisqu'en fait Erin est là. Dans la maison du général Trajan, lui c'est une belle aubaine d'avoir été acheté par Kestrel, parce que lui ce qu'il voulait c'est obtenir des informations pour pouvoir prévoir une révolution des Erani et ainsi récupérer son territoire. Ce qui va se passer au premier jour de l'hiver où les Erani vont se rebeller, où ils vont tuer pas mal de Valorian, notamment au moyen d'un poison qui va être mis dans leur vin. Jessica, l'amie de Kestrel, va être touchée, donc elle va tomber gravement malade. Et Kestrel va être retenue par Arin, pas forcément sa prisonnière, puisqu'il va lui donner l'opportunité de s'échapper. Et quand elle va retourner
à Valoria, donc la capitale, et bien là elle va rencontrer l'empereur. Alors que les Valorianes sont aux portes d'Eran pour revendiquer à nouveau le territoire, et bien Kestrel va revenir avec un traité et proposer à Arryn une sorte d'indépendance. Ce serait une sorte de province qui serait dirigée par le gouverneur, qui sera Arryn en l'occurrence, et qui est toujours sous la tutelle de Valoria, mais ça permet de procurer au peuple Eran une certaine indépendance. Et elle en échange a accepté eh bien, d'épouser le fils de l'empereur, qui est donc le prince Vorex, et de devenir eh bien, la future dirigeante de Valoria avec son futur époux. Voilà où on en est lorsqu'on quitte le tome 1. Donc la relation entre Kestrel et Arryn, elle n'est pas forcément au beau fixe. Je pense qu'elle lui en veut toujours de lui avoir menti. Lui, le fait de savoir qu'elle va se marier avec le prince Vorex, ça lui fend un petit peu le cœur aussi. Kestrel est dans la capitale, puisque tous les Valorianes qui vivaient en Eranie ont été obligés de retourner dans leur pays pour laisser les maisons, etc. au Eran. Arryn, lui, il est devenu le gouverneur de Eran. Il est chez lui, il s'occupe de ses affaires en essayant évidemment de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer, pourquoi est-ce que Kestrel a accepté d'épouser le prince Vorex, parce qu'il sait que ça ne lui ressemble pas. Il a beaucoup de questions par rapport à ça. Il a également beaucoup de questions par rapport aux intentions de l'empereur, notamment il y a une forte culture, je pense que c'est un fruit, notamment qui sert à nourrir eh bien, le peuple Eran, et se pose la question de savoir quelle va être la taxe payée par Eranie à l'empereur. Et là, Arryn se pose pas mal de questions et ne craint que l'empereur rafle une grosse partie de leur récolte et ne laisse son peuple mourir de faim. Donc il y a déjà des questions politiques qui commencent déjà à se poser entre la province et la capitale de Valoria. Et ensuite, eh bien, Arryn va être confrontée à la vue de Kestrel, puisqu'il va être invité au palais royal avec plein d'autres dirigeants du pays pour participer aux festivités qui entourent le futur mariage. Donc c'est là que Arryn va rencontrer Kestrel. Les relations vont pas non plus bien se passer, et là on va aussi rencontrer de nouveaux personnages. Voilà, je vais pas vous en dire plus par rapport au résumé ou quoi que ce soit. Je vais juste vous donner mes impressions maintenant sur ce tome 2. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il était plus riche que le tome 1, parce que là, au niveau politique, se dessine encore plein de choses. Comme je vous ai dit, il y a cette histoire de taxes par rapport aux Eranis. Est-ce que l'empereur va leur prendre une grosse part de leur récolte pour les affamer et donc les affaiblir? Savoir également quelles sont les réelles intentions de l'empereur par rapport à Eran. Est-ce qu'il va continuer à accepter les termes de ce traité, ou alors est-ce qu'il va pas essayer de récupérer le territoire d'une façon ou d'une autre? Il y a également un nouveau personnage qui apparaît, qui est Tensen, qui est donc un Eran, qui est un ami de Arryn, qui va jouer un petit peu le rôle d'espion, qui va essayer de s'informer pour savoir quelles sont les intentions des Valorianes par rapport à son peuple, parce qu'il y a vraiment une méfiance qui entoure un petit peu ce traité. On n'est vraiment pas sûr du côté des Eran que cette soi-disant indépendance est acquise, et on s'attend vraiment à un petit couteau dans le dos ou des choses comme ça. Voilà pour la question politique qui se met en place autour de Eran. Il y a également un autre volet qui est abordé dans ce bouquin, c'est par rapport à Dakra, puisqu'il faut savoir qu'il y a un autre territoire qui est convoité par les Valorianes, qui est le royaume de la reine Dakra, et l'armée est actuellement en train d'essayer d'avancer sur le territoire de Dakra pour essayer de prendre le territoire et également d'asservir ce peuple. Donc on joue vraiment sur les questions politiques à tous les plans, et Kestrel va vraiment jouer un rôle essentiel là-dedans. Kestrel est toujours un petit peu le cul en deux chaises, si je puis utiliser cette expression, tout simplement parce qu'il y a une certaine loyauté envers son père. Elle recherche la reconnaissance de son père, le fait qu'il soit fier d'elle, etc. Mais d'un autre côté, on sent que Kestrel n'est pas forcément en accord avec la politique qui est mise en place par l'empereur et par son pays. Elle ne trouve pas correct le fait d'asservir des autres peuples, de tuer des gens, etc. Et là-dedans, Kestrel joue un rôle essentiel, c'est-à-dire que l'empereur attend d'elle beaucoup,
Il attend d'elle qu'elle soit vraiment la future représentante de son pays. C'est-à-dire que la relation entre l'empereur et son fils, elle n'est pas au top. Le père trouve que son fils est un petit peu trop mollasson et qu'il ne ferait pas un bon chef d'État. Et donc, il attend vraiment que ce soit Kestrel qui prenne la relève. Donc, il l'appelle ma fille. On sent vraiment qu'il y a dans la volonté de l'empereur de faire de Kestrel un futur lui. En quelque sorte. Et donc Kestrel, elle se retrouve mêlée à ces questions d'État, à ces questions politiques, où elle va encore faire part de sa stratégie pour essayer non seulement de plaire à son père, de trouver la reconnaissance en son père, de ne pas le décevoir, parce que forcément elle aime son père, même si elle n'apprécie pas son métier et ni ce qu'il fait. Et d'un autre côté, elle essaye aussi de trouver des solutions qui soient les moins dommageables pour les autres. C'est-à-dire, si on prend telle décision, je sais que je vais faire plus de morts que si je prends telle décision. Donc cette décision-là, même si il y aura des pertes, elle est quand même moins dommageable que l'autre. Donc elle analyse vraiment toujours les situations pour essayer de trouver les situations moins dommageables. C'est un personnage que j'aime énormément. Je trouve qu'elle est très 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 intelligente, qu'elle est très 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 mature. Elle essaye toujours de faire ce qu'elle croit juste. Parfois elle va pas prendre les bonnes décisions, mais elle le fait parce qu'elle croit que c'est ce qui est bien. Sa relation avec Arine tout au long du roman, je vous assure que ça a été pour moi le plus dur à lire dans ce récit, parce que là pour le coup j'ai senti qu'Erin ne comprenait pas, ne voyait pas les intentions de Kestrel. Il se limitait à ce qu'elle lui disait ou alors à l'apparence, et il n'allait pas plus loin, et ça m'a un petit peu dérangée, parce que je me suis dit que vu que tu connais quand même la nana, tu sais quand même comment elle est, je trouvais que c'était un petit peu facile de se réfugier derrière les apparences et derrière ce qu'elle disait sans chercher à approfondir, alors que pourtant il avait les éléments de réflexion sous son nez, j'ai envie de dire, pour essayer de creuser plus loin. Ce qui va faire que la relation va vraiment être assez conflictuelle dans ce récit. Et voilà, moi j'ai vraiment été plus dérangée par l'attitude de Erin que par l'attitude de Kestrel dans ce bouquin. J'avais envie de lui foutre des claques et de lui dire « purée, mais enlève tes œillères, quoi. Essaye de voir un petit peu plus loin que le bout de ton nez. » Pour les personnages, je dois dire que j'ai été assez déçue par Jessica et son frère, donc ils sont les deux amis de Kestrel qu'on voit beaucoup dans le tome 1 et que j'avais absolument adoré. J'avais trouvé que c'était des personnages assez frais, plutôt légers, qui apportaient vraiment une douceur au récit. C'était tout le contraire. Ils ont apporté une lourdeur au récit qui, moi, m'a vraiment... Voilà, ça m'a vraiment fait un choc, quoi. Je m'attendais pas vraiment à ça de la part de ces deux personnages-là. Maintenant, j'en dirai pas plus pour vous spoiler. Le personnage de l'empereur est détestable, donc il n'y a rien à dire. C'est vraiment quelqu'un qui n'en a absolument rien à faire des autres, qui ne pense qu'à lui, au pouvoir, à la conquête, au fait de pouvoir posséder plus. C'est vraiment quelqu'un qui est imbibé par ça. Voilà, on sent vraiment qu'il n'y a que ça qui l'intéresse, et il attend une loyauté parfaite et sans faille de la part des gens. Et on sent qu'avec Kestrel, justement, c'est un petit peu conflictuel, parce qu'il lui fait confiance sans lui faire confiance. Le personnage que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est le prince Vorex. Je m'attendais forcément pas à l'apprécier du tout, puisque c'est le fils de l'empereur. Mais voilà, quand on creuse un peu plus loin, on s'aperçoit que il n'est pas du tout comme son père. Forcément, on s'en aperçoit déjà quand on voit les relations père-fils qui sont pas au top, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très attentionné, qui, même s'il n'est pas en phase avec ce mariage, tout comme Kestrel ne l'est pas d'ailleurs, au final, leur relation va évoluer en vraiment une très belle amitié. Et voilà, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Au niveau personnage, vraiment, c'est une réussite. J'ai pas vraiment de choses à dire en négatif, ils sont très bien approfondis, on sent vraiment bien la personnalité de chacun.
C'est voilà, l'histoire est rondement menée également. Au niveau de l'intrigue, on peut se dire qu'il se passe pas grand-chose pendant une partie du récit, puisqu'en fait, ce ne sont que des petites intrigues de palais, on va dire, hein, voyez. Mais moi, j'ai trouvé que chaque élément avait son importance, chaque chose en amène d'autres, ce qui fait qu'au final, bah, j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment super bien menée. Surtout la fin, j'en pouvais plus. J'avais déjà trouvé que la fin du tome 1 était costaud, dans le sens où on avait cette bombe qui était lâchée en disant ben voilà ton traité, t'as le droit à ton indépendance, et moi je vais me marier avec le prince Vorex. Ça, c'était déjà difficile à avaler, mais alors, la fin du tome 2, autant vous dire que quand vous avez lu cette fin, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de lire le tome 3 tout de suite après. Ouais, moi j'ai laissé un petit peu de temps pour bien assimiler tous les éléments, mais j'ai pas non plus pu attendre très longtemps puisque je suis déjà en train de lire le tome 3 parce qu'il me fallait que je sache. Je vous avoue que d'un côté j'ai hâte de savoir et de finir le livre, mais d'un autre côté je le fais traîner, je lis peu de pages par jour parce que j'ai vraiment envie de savourer ce troisième tome et de garder Kestrel et Arryn le plus longtemps avec moi, qui sont des personnages auxquels je me suis vraiment, vraiment beaucoup attachée. Quand vous lirez ce tome 2, bah dites-vous que oui, il y a des éléments qui peuvent vous paraître longs, où il se passe pas grand-chose, mais chaque élément a son importance, chaque nouvelle information aura, voyez, son petit piquant à la fin. Donc moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a des choses qui m'ont pas pété aux yeux tout de suite, alors que j'aurais dû voir les rouages beaucoup plus tôt, parce que bah, clairement on m'avait donné toutes les informations avant. Et pour finir, la pièce elle est tombée au même moment qu'elle tombe pour Kestrel, quoi. J'ai adoré voir ces petites intrigues de palais, de trahison, de conspiration se mettre en place. J'ai également beaucoup apprécié découvrir un autre aspect de cet univers qui est le royaume de Dakra, puisque ici on va y faire quelques incursions et on va pouvoir connaître la reine, son entourage, sa famille, voir un petit peu quelle est la culture de cet autre pays qui fait partie de l'univers et qui est également en guerre contre Valoria. Vraiment, ce deuxième tome est une pure réussite et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le lire. Et voilà, j'en ai terminé avec ce book talk. J'espère que mon avis aura été clair, que je ne vous aurai pas spoilé, parce que ça, c'est quand même le principal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le tome 1, si vous avez hâte de lire ce tome 2-là. Si vous avez déjà lu ce tome 2, eh bien, n'hésitez pas à me donner votre avis. Faites vraiment attention dans les commentaires pour ne spoiler personne. J'ai vraiment hésité à faire une partie spoil et pas spoil pour cette vidéo, puis je me suis dit qu'il valait peut-être mieux faire pas spoil et parler un petit peu plus de certaines choses pour la revue du tome 3. Voilà, ça me semblait plus cohérent pour ne spoiler personne. Faites bien attention dans les commentaires à ne pas spoiler, sinon eh bien, je pourrais supprimer vos commentaires pour éviter de spoiler les autres, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !